je vous dis, une fois fini, ça fait ça en fait. Ouais, il est blanc partout, c'est le vernis. Alors, maintenant je vous montre, quittez pas, ce que ça donne. Tu vas tenir toi là. Ah, c'est compliqué avec ton juge, je te jure. Oui. Ah. Alors, de l'eau froide. Du l'eau froide. Ça commence à sécher déjà, donc quand ça commence à sécher, vous maniez le cul d'aller dehors parce que ça sèche super vite en fait. Voilà. On va mettre ça au soleil, si on reste, si on n'est pas là où vous l'avez fait, c'est un peu con sinon. On va mettre ça là. Tu veux venir? Allez. Ah, je sais pas si vous voyez. Là c'est le côté mouillé. Là c'est le côté où ça sèche. Donc j'ai le doigt sec. Ouais. Après il faut passer comme ça quoi. Et voir si c'est bien lisse partout une fois sec. Ah oui, j'en ai oublié. Là, ça je vais l'essuyer après. Faut surtout pas qu'il reste de vernis quoi. J'ai trop pensé, on repasserait un coup. Donc ouais, faut attendre que ça sèche quoi. Et alors, quand c'est comme ça, partout hein, au bout de sécher, sinon ses cheveux, c'est pareil quoi. Quand c'est bien sec, il n'y a pas d'endroit bien sec, voilà. Voilà, quand c'est bien mat comme ça et que c'est bien sec, là-dessus, vous passez alors une première couche de vernis vite fait, hein, c'est juste pour marquer le réservoir quoi. Une fois que ça c'est fait, bon, vous attendez. Moi j'attends. S'il fait bien chaud, laissez pas au soleil par contre. Hein. Ça va vous faire un truc peau d'orange, ça va vous faire de ça dégueulasse quoi. Dans votre garage ou une pièce chaude quoi. Vous, vous mettez à 5 degrés, ça, 4-5 degrés ça suffit. Vous attendez 4 heures. Et après vous passez deux couches de vernis. Plus vous allez passer de couches de vernis, plus votre pièce elle va être mate, foncée quoi, si vous voulez.
Donc moi là-dessus, vu que ça va être du vernis transparent mat, je vais y passer ouais, 2 couches et demie. Donc là j'attends que ça sèche. Voilà quoi. Et faut que ce soit bien bien lisse partout. Hein. Faut pas que vous voyez qu'il reste des traces comme ça là. Ça c'est une trace de vernis, vous voyez. Ça je vais l'enlever. Ouais, une petite trace comme ça, faut pas qu'il en reste du tout quoi. Pas de blanc quoi. Donc voilà. Et vous regardez que ce soit bien bien lisse partout. Et là vous voyez les défauts normalement je l'ai enlevé. Et je vois plus quoi. Vous voyez ça par exemple, faut pas quoi. Attendez. Ah. Ça faut pas. Faut surtout l'enlever avec un chiffon quoi. Chiffon propre, sans que ça fasse de peluche quoi. Vous le virez quoi, vous l'essuyez bien 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 partout. Et après, une fois que c'est comme ça, bien lisse là. Et bien c'est encore du vernis, hein. C'est juste qu'il a été maté un peu, c'est les pellicules quoi. Encore du vernis. Là vous passez 2 couches, 3 couches, comme vous voulez quoi. Enfin, voilà. Et je vous montrerai une fois fini, parce que ça je vais le reprendre là. Je ne peux pas laisser ça crado comme ça. Malgré qu'il y ait le. Là il y a le cache réservoir qui va y aller quoi. Enfin la trappe à essence quoi. Mais ça je peux pas le laisser comme ça quoi. Donc voilà. Vous voyez là c'est tout tout lisse. Nickel. Faut que je reprenne encore un peu ici, merde. Voilà. Bon, ben sur ce, bon appétit les mecs. Pour ceux qui vont manger. Et puis bon week-end, vous voyez, ça sèche assez vite quand même. Voilà. Là c'est tout lisse. Voilà. Parce que j'en vois plein dans leurs vidéos, ils peignent, et puis ils vernissent directement avec, et puis ils roulent comme ça quoi. Si vous peignez et que vous passez directement votre vernis, puis que vous laissez le vernis comme ça quoi, dans le temps ça tiendra pas quoi. Les impacts, machin, ça. Puis vous aurez une sale peinture quoi. Alors que là vous voyez, voilà, je vous montre. Vous voyez ça, vous l'enlevez là. Même à la main ça part un peu quoi. Voilà, faut que je le reprenne. Il est même mouillé, donc voilà quoi. Et là, quand vous peignez là-dessus, je peux vous dire, c'est doux comme des fesses de bébé quoi. Voilà, quand c'est bien lisse comme ça partout là, là vous passez 2-3 couches de vernis. C'est parfait quoi. Là, tous les défauts sont partis. Voilà. Ben, sur ce, hein, dès que je reçois des pièges, je vous montre. Et voilà quoi. Ben bon appétit et bon week-end. Allez tous les gars.